Si vous voulez qu'on règle ça, on peut régler ça dans l'arène de combat. On pourrait, mais honnêtement, nous allons tous perdre du temps, ça ne sert à rien, vous perdrez beaucoup moins de temps à présenter vos excuses à cette bibliothécaire et ça vous évitera une déculottée salée. Je ne supporte pas les personnes qui se prennent pour des chevaliers blancs et qui ont besoin de sauver d'autres personnes. Oula, ce n'est pas tant que je veuille la sauver que je ne tolère pas le manque de politesse. Bien au contraire, ce qui lui arrive, j'en ai à peu près rien à faire. Allons dans l'arène, on va régler ça. La déculottée sera vous qui l'aurez. Et on fait ça fair play, hein, un contre un. Vous préférez affronter qui, moi ou mon pote? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça fair play? Ah, deux contre deux? Avec la petite Oui, dame deux là? contre deux, oui. Oui, deux contre deux. On y va? Allez. Vous voyez qu'ils prennent, ils te bousculent un peu, Herménor, en passant. Et il tourne vers la droite, puis vers la gauche. Tu vois qu'il y a une énorme cage avec des matelas en cuir au milieu. Mon camarade est là. Le camarade n'est pas là, malheureusement. Vous voyez que il y a un peu de sang, de la sueur qui sont sur le cuir. Vous voyez qu'il y a deux, trois gardes qui sont là. Et ils vous disent bien, attention, pas d'armes, hein. Pas d'armes, on n'a pas le droit de tuer à l'intérieur de la guilde. Oui, bon, d'accord. On tue pas. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait de se battre. Non mais Elena, allons chercher nos amis. On va en discuter, mais je pense que c'est ça vaut le coup. Non, 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 vous n'allez pas chercher vos amis. Ils Vous sont déjà voulez. partis, eux, ils sont loin. Ah d'accord. Non, 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 ils sont à côté de vous. Hein. Je croyais qu'ils étaient déjà partis. Non, ils vous suivent, enfin, ils vous regardent. Non, non, ils sont pas partis loin. C'est Bah, vous venez? Je pensais qu'ils étaient en train de vous suivre en fait. Vous étiez en train de les Ok. suivre. Bah, Du du coup, coup, j'ai on est là? envoyé le chat chercher On est les pas autres. encore partis, nous? Pour moi, ils sont déjà partis. En fait, vous êtes déjà au centre équestre, qui est en fait juste Ouais, au-dessus c'est de ça. l'octogone, hein, enfin juste au-dessus de la zone de combat. C'est pas grave. Bah, si moi je vois ça, je suis très intéressé, hein. Ah bah oui, je me doute. Tu peux Mais envoyer le d'ailleurs, chat les je pense chercher. qu'Or aussi, hein. Assez rapidement, tu vois Sarel arriver et te miauler dessus pour que tu viennes. Je suis Sarel parce que je. Ah, on Je suit comprends Mathieu. qu'un chat comme ça qui vient de parler, c'est qu'il veut de moi. C'est qu'il a besoin de moi. Il dit quoi le chat? Il dit Miaou? Attends, June! qu'Herménor a besoin d'aide. Ouais. Il a été provoqué par des bandits, des infâmes goujats. Sauf que tu Il parle pas l'entends, bien ce chat. June, tu l'entends avec un accent un peu bizarre. Ma Herménor a besoin Ok. d'aide. Il a été attaqué par des bandits, des infâmes goujats. Ce qui est pas Bah, je un traduis accent. pour Ouais. Ce qui est pas normal, pour un mes chat parle pas comme camarades. ça normalement. Tu C'est Ok, bizarre. je me dis que c'est un chat chelou, mais Ouais. bon, franchement, je m'en bats les couilles. Un chat-loup, quoi. En même temps, son meilleur pote, c'est un T-Rex, qu'est-ce que tu veux? On Non, mon critique pas meilleur les pote, meutes, c'est un d'accord? gloutin. Mais le meilleur pote du chat. Du coup, je Meilleur regarde pote du notre chat, meilleur pote cavalier du et je chat. lui dis, bon, apparemment, Herménor s'est mis dans la merde. Faut aller l'aider. Rapidement, je cours et je vais aider Herménor. Sarel va aussi chercher du Camara, hein, évidemment. Qu'elle puisse Par contre, bénéficier ouais, de toutes Dulcamara ses n'arrivera douleurs. pas. Dulcamara qui est à l'autre bout de la guilde n'arrivera pas tout de suite. Oui, bien sûr. Et puis Dulcamara était en train de regarder s'il n'y avait pas un robuste jeune homme pour passer un moment tranquillou, tu vois. Là, il y a chaque arrivé. Putain, ok, ça va, j'arrive. Vous voyez que vous voyez alors l'elfe, vous voyez que l'elfe il est habillé de manière très soigneuse, il porte une longue tunique, tout ça. Et il a vous, quand vous arrivez au niveau de l'arène, il commence à l'enlever, se mettre torse nu. Vous voyez qu'il met des petits gants en cuir. L'alphelin, lui, est toujours comme ça. Bon, allez! Ah, vous avez ramené les copains! Pas grave. On fait ça comment? On le fait sale ou on le fait en duel? Lal. Magie non autorisée, bien sûr. Et puis quoi encore? Ah, c'est pour vous que je dis Non, ça. mais c'est à main nue. C'est à main nue, normalement, le combat, ici, dans l'arène. Ah si c'est à main nue, je vais laisser Core me représenter, je pense. Je suis l'adepte à main nue aussi. Ça dépend, Voilà. je dois utiliser le fouet ou. Pas d'armes. Ah. Ils n'autorisent pas les armes. En fait, ils n'autorisent pas les armes et la magie parce que ça dégénère trop vite.
avancez, vous arrivez dans la cage, vous voyez que ils sont prêts à se battre, mains nues. Donc c'est mains nues et c'est on y va en salle ou Ah, vous pouvez y aller en salle. Pas le droit de tuer, pas le droit de magie. Pas le droit de magie. Pas le droit aux armes, mais sinon... Pas le droit de magie, ça dépend quoi. Tu disais bien que peau d'écorce, blur et compagnie, c'est légal. Voilà, c'est ça. Fait. T'as le droit de bouffer, mais t'as pas le droit de faire des sorts offensifs, quoi. C'est ça. Du coup, si je rends encore tout flou et qu'ils arrivent à le toucher que 4 fois sur 5... Oui, ça marche. 5, ouais. Excusez-moi, je cherche la feuille de l'autre perso. Mais vous pouvez quand même déjà dès à présent lancer l'initiative. Attends, je passe sur un autre écran. Vous avez du coup la cage pour la décrire en fait. C'est une sorte de cage avec des chaînes aux maillons extrêmement épais, fait d'un métal très résistant, sûrement de l'acier. Vous voyez donc. Mais merde sol, j'ai plus 10 en I, je fais 13. Parfois, ça, c'est moche. Oui. Hop, je lance l'initiative pour eux. Ok, c'est pas génial. C'est beaucoup mieux déjà. T'as fait 13 ? Comment t'as fait ? Ah oui. Il a fait un 3 naturel. Ah oui, 3 naturel. Ah vache. Je voyais le 18, je me suis dit c'est bon, Cor va jouer. Tranquillement, ah bah non, en fait c'était l'initiative terminante. Ok. Je suis plus habitué alors, aux 20 et plus en init. On a un 11 d'un côté et un 19 de l'autre. Donc, premier à jouer, c'est l'alphelin. Avec un 19. Ensuite, c'est Herménor. Ensuite, c'est Cor. Ensuite, c'est l'elfe. Et ensuite, c'est Nafkalir. Hop, du coup. Il me semble que j'ai une playlist pour les musiques de combat. Bon, on est dessus. En plus, on est dessus, c'est parfait. Musique de combat. Alors, vous voyez que très vite, l'alphelin, profitant de sa taille et de sa rapidité, va directement... Il a repéré que... il a l'impression que Nafkalir est plus puissant. Donc, il se jette sur toi, Nafkalir. Let's go. Alors, on va passer... Excusez-moi, on va passer en écran de bataille. Voilà. Et vous êtes tous à votre place, c'est parfait. Donc, les amis, vous pouvez voir que Nafkalir a 17 de classe d'armure, 15 de défense physique contre les sorts, 13 de défense mentale et 30 points de vie en tout. De son côté, Cor a 17 de classe d'armure, 15 de défense physique, 12 de défense mentale et 30 points de vie aussi. Ils ont un petit peu copié l'un sur l'autre, j'ai l'impression. À pas grand-chose près. Vraiment, je crois que j'ai vu la fiche de Cal, on a des stats vraiment différentes, mais les calculs font qu'on a des trucs très proches. Ok, donc Nafkalir, directement, il approche de toi et réussit à te mettre un uppercut. C'est un moine. Il a fait 18 naturel avec le dé. Je savais que t'allais poser une question. Non mais ça fait des mois qu'on se prépare, j'ai fait péter le budget. Ouais, non mais... Il y a l'interface, il y a de la musique... J'ai pas seulement fait un truc, mais il y a plusieurs trucs. J'ai fait péter mon propre budget. Alors. Il met combien du coup ? Je vais te dire ça de suite. On va voir quelle forme il utilise. Hop. Alors. Ok, du coup c'est 1d6, non 2d6 pardon,
12 plus 4, ça fait... Donc, le coup te tape au niveau... Paf ! Vraiment sous le coup. T'es un peu assommé et tu prends 16 points de dégâts d'un coup. Damn ! Et il se remet en position. Il a pu, tu vois qu'en fait, il a pu faire une roulade sur lui-même. Il s'est éloigné de toi, il est désengagé et il est en position de combat. À toi, Herménor. Du coup, vu que c'est parfaitement autorisé, je vais lancer Blur sur sur Nafcalir. Rappelle-moi ce que ça fait. Ça fait qu'à chaque fois, pour le restant de la bataille, ou environ 5 minutes, dès que quelqu'un attaque Nafcalir, il doit lancer un jet et il n'a que 80% de chance de toucher, quel que soit le score. C'est-à-dire, attends, c'est vrai que ce sort il est. Il est un peu relou. Tu lances un des 5 et il faut que ça se fasse. Faut que t'aies. Si t'as un 1 sur ton des 5, tu ne le touches pas, quel que soit ton score. Ok. D'attaque. Ça marche. Parce qu'il est devenu tout flou. Ça marche. Et Petit Rex va charger. Attends, Petit Rex ? Ouais, pourquoi pas. Ok. Il charge qui ? Pourquoi pas, en effet. Il va charger l'elfe, c'était le plus relou des deux. L'elfe ? C'était l'elfe qui était chiant, non ? Non, c'était l'alphelin qui parlait tout le temps. Ah là, l'alphelin. C'est l'alphelin qui vient de me taper. Ouais, mais c'était l'alphelin qui parlait, ok. Ouais. Bah, du coup, l'alphelin. Ok. Tu peux lancer du coup, comme il charge, il a un petit plus 1 à l'attaque. Vas-y. Sa petite spécificité de petit T-Rex. Et il touche. Et il inflige du coup 8 points de dégâts. Sachant que les dégâts sont non létaux. Ça veut dire que si vous tombez à 0 point de vie, vous êtes inconscient. Vous n'êtes pas mort. Ah oui, mon Jimmy. Ah oui. Non, t'as déjà eu la balade. T'as déjà eu la balade, c'est pas maintenant. Tu veux un câlin ? Ah oui, tu veux un câlin. Oui, c'est ma faute, pardon, c'est bien de me le rappeler. Hop, j'ai pas prévu de carte de combat au milieu, j'avoue. Bah, c'est pas grave. Ce sera prêt pour la prochaine fois, s'il y a besoin. Attends, c'était la guilde des aventuriers, on va vous remettre sur la guilde des aventuriers. Hop. Lui, c'est un gentil, hein. Il est pas méchant, Malvilius. Malgré son nom et son air démoniaque. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ah, à part qu'il est un peu vert, quoi. Gentil, vrai, gentil. Il a pas l'air si démoniaque. Il est pas vert, il est jaune. Oups. J'ai pas eu le temps de le voir. Non. Ah, bah je vous le remets, vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, merci. Il a totalement un rire sardonique. Il prend 8 points de dégâts, du coup. Ok, c'est retiré de ses points de vie. Ok. Ensuite, c'est à toi, Cor. Cor se met à sortir une petite fiole. Mmh. Enfin, une petite fiole... Ah, comme ça, hein, à peu près, hein, hein, voilà, voilà, et se met à la boire. Ok. Et donc, je passe 3 points d'initiative, c'est ça ? Attends, tu l'as lancé, tu l'as... Tu prends lequel ? C'est le pot d'accueil ? Bien sûr, c'est bienvenue chez les... Bienvenue dans ta gueule. Ok, donc le pot d'accueil... La première fois que vous attaquez, chaque ennemi avec une attaque de mêlée durant un combat... en comptant le premier tir, c'est un plus D8... Un D8 dégâts supplémentaires à la créature que vous touchez. Oui. Donc vas-y, tu peux faire ton attaque. Non, c'est à lui. Ça m'a coûté 3 d'initiative. Ah, tu l'avais fait directement ? Oui. Ok. Bah non, si c'est à côté de l'initiative, c'est bon, c'est à ton tour de jouer. Ça fait 13. Ah, c'est à mon tour ? Oui, il a fait 11 de suivant. Bah, j'attaque l'elfe. Okay. Je me précipite sur l'elfe. Vous voyez, corps, avec une rapidité
assez exceptionnel pour un gars de 108 ans. Vas-y. Le suspense est à son comble. Attends. Ah voilà. Donc, j'ai aucun. Escalation, aucun. Ah bah voilà. On aime. Tu touches, effectivement, et tu infliges donc toi aussi 8 points de dégâts. Et tu non, peux non, lancer, attends, et tu peux lancer ton D8 en plus, c'est ce que j'allais dire. Oh, joli, 15 points de dégâts. Est-ce que tu veux décrire l'action que tu fais contre, ce, contre cet elfe qui est torse nu? Oui, j'arrive. J'arrive directement sur lui. Il est plus grand que moi, l'elfe? Oui, bien sûr. Il fait un bon 1m90. Vous voyez voilà. Qu'il fait 1m90, il est extrêmement pâle. Il a des cheveux courts. Il a le corps extrêmement maigre. Et il est là, du coup, avec ses petits gants en cuir. J'arrive sur lui, donc je me projette, je fais un roulé-boulé, et avec ma tête, je le frappe au-dessus du cou. Ouf. Et là, je dis, excusez-moi, c'est l'alcool. J'ai pas fait exprès. T'as son pote à côté qui te regarde, qui fait, t'as fait une erreur, mec. Là, vous voyez le mec qui se remet le cou en place. Vous voyez que ses muscles commencent à gonfler. Il commence à être beaucoup plus baraque. C'est un barbare. Il est rentré en rage.